C'est la première année que vous mettez cela en place ? Oui, c'est la première année, oui. Pourquoi vous avez eu envie de faire cela ? Qu'est-ce que vous aviez remarqué ? On s'est rendu compte que l'autorité venait uniquement des enseignants, que finalement on ne donnait pas ou peu la parole aux élèves. Donc voilà, on a eu l'idée de faire un conseil des élèves environ une fois par mois pour leur donner la parole. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conseil des élèves ? Comment vous avez eu envie, vous, d'y participer ? Est-ce que c'est vous qui avez choisi ou est-ce que c'est vos copains qui vous ont choisi ? Alors Nous, dans notre classe, ils ont voté. C'est ceux qui avaient le plus de votes, et ben, ils allaient au conseil de classe. Ben, moi, je me suis présentée parce que j'aime bien l'école, sauf qu'il faudrait l'améliorer. Alors, pour améliorer l'école, puisque j'ai plein de goûts, alors je me suis présentée. Il y a des choses dans l'école qu'il faut changer. C'est pas tout parfait, par exemple. Je me suis présentée parce que j'aime bien l'école. Alors, on commence aujourd'hui notre troisième conseil des élèves. Et oui, c'est le troisième qu'on fait. Donc, comme d'habitude, je vous laisse la parole pour voir ce que vous aimeriez qui change dans l'école, que ce soit pendant la récréation ou pourquoi pas dans les classes aussi. D'accord. Alors, on va commencer par les CP. Est-ce que vous avez des choses à dire, les CP ? Allez, on t'écoute. Vas-y. Oui. Des cerceaux dans la cour. Des cerceaux dans la cour. D'accord, ça peut être une bonne idée, oui. Ça peut être une bonne idée. Ils veulent jouer dans les arbres au fond de la cour. Mais je crois que vous jouez déjà dans les arbres au fond de la cour. Non, parce qu'après les profs, ils viennent et ils doivent partir et ils veulent rester. Ah. Alors rapidement, pourquoi on vous interdit parfois de jouer dans les arbres hein? Parce qu'on peut se faire mal. Parce qu'on peut se faire c'est mal. C'est Juan et Valentin qui veulent jouer, c'est pas ah, c'est uniquement deux élèves de CP. D'accord. On avait pensé qu'il y en a beaucoup qui amènent des mini-skates. Alors un petit terrain avec un mini-skatepark pour les mini-skates qu'on avait pensé. Un skatepark dans la cour. Avec des rampes là où on fait avec les doigts. Pourquoi pas ? Alors moi je vais en parler aux autres maîtres et maîtresses, hein, mais pourquoi pas ? Il y a des maîtres qui nous disent dans la cour là, pas la cour du foot, dans la cour normale, on marche, on n'a pas le droit de courir, c'est pour ça qu'on s'ennuie. Et puis après au foot, on n'a pas le droit d'y aller, mais on ne les dérange pas, ça a toujours été comme ça. Et oui, mais quand on joue au foot et qu'il y a 30 personnes qui traversent le terrain, c'est difficile de jouer au foot. Mais il y a des garçons qui disent que les filles n'ont pas le droit de venir jouer. Ah, oh, mais si. Nous, on est là joueurs, c'est pas grave. Des vélos et des trottinettes dans la cour. Des vélos et des trottinettes dans la cour. Mais elle est pas un peu petite cette cour pour que tout le monde vienne en vélo ? Des trottinettes. Il y a 150 trottinettes là dans la. En plus, avec Franck et tout, ils vont faire que des trucs. Bizarre. Bah, des figures. Est-ce que ça vous paraît possible que tout le monde amène sa trottinette ? Non. Alors, le CE2. Est-ce que ta classe avait des revendications, des choses ? Est-ce que vous avez pensé à ce qu'on pourrait améliorer dans la cour ? Tout va bien ? Ouais. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de. Si, ah, si. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, contre les enfants qui se battent ? Ça va suivre, mais ils n'écoutent pas. Est-ce que les délégués pourraient avoir un rôle particulier là ? Bah, s'il y a quelque chose qui leur plaît pas, par exemple une bagarre, bah, ils vont voir les profs ou ils essaient de l'arrêter. Donc les délégués, ça pourrait être. Ils pourraient faire le lien entre les maîtres et les maîtresses et les élèves. Oui, c'est ce qu'on fait là. D'accord. Oui, mais est-ce que vous le faites tout le temps ça ? Non. Vous n'avez pas à vous interposer quand il y a une bagarre, mais vous devez prévenir un adulte. Et il ne faut pas que la bagarre commence, donc il faut l'arrêter. Est-ce que Jawa, tu as autre chose en tête là ? Non ? Ah, il y a une idée là. Ah, un mot qui n'a pas été lu. On voudrait un endroit pour dessiner ou pour faire de la pâte à modeler. Alors ça, c'est une très bonne idée. On y a pensé, parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut être au calme. Donc l'année prochaine, parce qu'on est déjà en fin d'année là, il y aura la possibilité pour les enfants qui le veulent de rester à l'intérieur et de dessiner, de lire, de jouer à des jeux calmes. D'accord ? Aussi, il y a, oui. Y a les personnes CFDT, ils se plaignent du terrain de foot, tu peux le. Ah ouais, parce qu'en fait, il y a plein de cailloux qui dépassent, et souvent ils tombent avec et ça va. Il y a des cailloux sur le terrain de foot, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, parce qu'il y a les qui sortent comme ça. Ça fait des. Comment ? Ah, donc, ça, qu'est-ce qu'on pourrait demander à la mairie ?
Donc ça, on va le demander. On ne sait pas si ça va être fait rapidement, mais on va le demander. On peut le demander en tout cas. Aussi, là, en bas, à côté de l'arbre, c'est pas très droit. Donc à chaque fois, on trébuche. Et il ne faut pas passer par les herbes. Sinon... Et ça, on l'a demandé à ce qu'on... Oui. Que la cour soit un peu moins dangereuse. Mais bon, on attend encore quand même. Hein. Bon. Au WC aussi, la porte, quand il y a tout le monde qui la referme, mais après, les gens ont ouvert. Il y en a qui bloquent donc, les portes. Donc oui, les portes de l'école ne sont pas en très bon état. Ça aussi, on l'a dit. Surtout celle des toilettes. Donc peut-être que ça serait bien qu'un maître ou une maîtresse soit devant la porte. Ouais, bon, ça, si ça vous plaît, parce que moi, perso, ben, ça ne me plairait pas. Ben non, mais bon, c'est notre métier aussi. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer pour ça? C'est vrai qu'il y a des problèmes faire avec... les serrures. Oui. En fait, il faut tout refaire. Les cabinets, il faut tout refaire. Il faut démolir les cabinets et refaire. Il y a des choses à changer. Oui. Et aussi, on pourrait faire des portes où il y a garçons et filles. Parce que les garçons, on les regarde faire pipi. C'est sympa. Mais bon, il y a des choses qui prennent du temps pour que... Non, mais comme le truc de la cour, ça fait depuis le début de l'année qu'on le demande. Et oui, mais nous aussi, on l'a demandé, mais ça, on attend encore. Il y avait Inès qui avait une bonne idée. Oui. De mettre plusieurs poubelles dans la cour parce qu'il y a plein de papiers par terre, des fois. Donc, quel est votre rôle, vous? Quand quelqu'un jette un papier, qu'est-ce qu'on peut faire? Lui dire de le ramasser de suite. On y dit parfois. Ça, ça s'appelle l'éducation, c'est éduquer les gens. Moi, je l'ai dit aux grands, mais les grands, après, ils ne savent pas, moi. On pourrait faire une journée où ramasser tous les détritus qu'on trouve dans la cour de l'école. Mais c'est ce qu'on fait à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des choses bien, quand même, dans cette école? Parce que là, on dit pas mal de choses négatives, mais ça va passer sur Tau TV. Les gens vont regarder, ils vont dire, mais à l'école Eliante, rien ne marche. Rien ne marche. Mais si, ça marche. Mais tu pas, vas-y. Allez, rapidement, est-ce que quelqu'un... Tout le monde peut dire une chose qu'il adore ou qu'il aime dans l'école, là? Oui. Allez, Jawad. Le foot. Ouais, Elsa. L'écriture. Oui, mais c'est spécifique à l'école Eliane, toi? Il n'y a qu'à l'école Eliane pour faire de l'écriture? Non, dans toutes les écoles. Et les CM2 qui vont aller au collège l'année prochaine, ils vont la regretter, cette école ou pas? Non, mais toi, ça fait 2 ans que tu fais deux CM2. Donc, j'en ai marre de cette école. Moi, si je pouvais rester là. Ah, toi, par contre, tu vas la regretter. Bon, moi, je trouve que ce conseil d'élèves a été assez riche. Donc, tout ce qu'on a dit là, je vais le dire aux autres maîtres et aux maîtresses. Et puis, on vous dira ce qu'on compte faire. D'accord? Voilà. Allez, à bientôt pour le prochain conseil des élèves. On voit les grands qui aident les petits à lire leurs petites feuilles puisque les tout petits ont noté. Ça, c'est assez rigolo aussi. En CP, certains ont encore du mal avec la lecture. Ben, les plus grands donnent un coup de main et donc ça donne aussi l'occasion de faire connaissance pour certains, des grands qui aident des petits. Et puis dans la cour, on peut après, pourquoi pas, jouer ensemble, etc. On voit à travers leurs attitudes, leurs regards, leurs sourires qu'ils sont finalement pas si mal à l'école Eliante. C'est quand même bien. C'est pas grave même si on rate la récréation, mais au moins c'est mieux parce qu'on peut représenter l'école, commencer et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Eh bien voilà un beau message. Merci.